bien, bonjour tout le monde, c'est Lémi Koupa. Alors, je tiens à dire que entre la dernière vidéo et celle-là, il y a quelques minutes, enfin, il y a quelques secondes d'écart. J'ai pas eu le temps de faire ce que j'avais dit dans la dernière vidéo. Pour une seule et bonne raison, parce que ce personnage que vous voyez face à moi, face à l'écran, nous a posé une mission. Et j'ai juste lu les trois premières lignes de la mission pour me dire. Tant pis, nique sa mère ce que j'avais dit, on s'en fout. parce que c'est complètement dégueulasse et vous allez voir que dans notre village, nous avons des personnes bizarres. Bref, je vous laisse voir. Guide, je vous en prie, ne me jugez pas, mais j'ai toujours voulu goûter un plat à base de caca. À base caca, pardon. Pourriez-vous m'en préparer un? On a un putain de scatophile! Putain! Mais le jeu, il est payé combien pour de vrai, là? Bah oui, j'accepte, mais un bol de caca. Et ce jeu n'a même pas réussi à être le GOTY 2022. Tout ça parce que t'avais Elden Ring. Putain. Bon, bah on va devoir faire un plat à base de merde. C'est un truc que j'aurais jamais cru dire dans la vie, honnêtement, même dans un jeu vidéo. Oh bah attendez, il y a un petit caca là. Et bah le voilà ton caca. Ah oh, c'est mignon. Le plat mortel, non quand même pas. Mais il est où le plat à base de merde? Je peux pas. Ah si. Ah il m'en faut trois. Il me faut trois cacas. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est horrible. Bon, est-ce que... Oh. Waouh, ils en ont déjà fait un, hein. Ils sont trop forts. Par contre, ce qui m'énerve, c'est que bah... Ah ok, en fait... où est-ce qu'il y a de la merde? Où est le caca? Putain. Oh, c'est sûr, c'est un kink chelou d'un des développeurs, ce truc. Oh mon Dieu, quelle horreur. Et merde, en plus j'ai enlevé le caca. Oh. Bon, au pire des cas, le truc à faire, c'est, je pense, se barrer pour faire un donjon et les laisser dans la merde. Ah! Toujours aussi drôle, ce youtubeur de connard. Ah là 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 là, quel humour, mes enfants. Toujours de l'humour de merde sur cette chaîne. Je vais arrêter de parler de caca, je pense. Ça va devenir bizarre pour vous comme pour moi. Plus pour moi, honnêtement. Vraiment que j'en fasse plus hein, de ces trucs. Allez hop. Donc attends, ça m'a dit quoi? Débloquer la mine grâce à l'inspiration divine. Ok, mais j'ai envie de voir. Oh non, tu te fous de ma gueule. Bah ouais, bon bah tant pis hein. D'accord, donc en fait à chaque fois que je débloque un truc, ça m'en remet. Ça me donne une limite beaucoup plus. Très bien. Bon. Ça va être la première fois dans ce let's play. Ouais, je sais, c'est comme si c'était un truc de fou, mais pas du tout. C'est la première fois dans ce let's play et on va partir sur... Oh, de la merde, putain, ouais! Je disais donc, on va partir sur une coupure et puis je pense qu'on se retrouvera quand... Eh bah, pas du tout, pas maintenant la coupure, il y a le caca. C'est parfait. On peut faire un bol de merde. Soyez contents, mes abonnés préférés. Putain, c'est horrible. Quelle horreur. Tiens-toi. Interagir. Bol de caca. Allez, va manger ton caca, pujujule. Putain, quoi. Oh, regardez-le, il est mignon. Il bouffe du caca. Ah, pujulule a mangé du caca. Ah, pourquoi j'ai deux endages mental, putain? Oh, je me fatigue moi-même. Bon, alors, par contre, ce qui est cool, c'est que lui, il est quand même assez rapide. Ouais, débloquer la mine grâce à l'inspiration divine, ouais, bon. Du coup, attends, c'est vrai que ces trucs-là, ça donne du truc divin, là. Alors, on peut gratter, on gratte comme on peut, hein. Accepter le cadeau, oui, bah on attend qu'il se réveille, le mangeur de merde. Si je peux le renommer, sincèrement, je l'appellerai Monsieur Caca. Si je peux le renommer, je l'appellerai vraiment comme ça, hein, plus Jules.
Monsieur Merde. Jean-Jules ronfle et a réveillé les dormeurs à proximité. Quel connard. Je l'aime bien. Bon, allez, on va profiter du fait que... ils font dodo pour aller chercher... je sais jamais dire ce mot correctement, c'est horrible. Pour aller pêcher... chasser... voilà. Du poisson... attends, quoi? Ah, miné. Bah, allez, on... rien à foutre. Ah non, 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 merde, non, 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 non. Hey, où est le monsieur, là? Oh. Bon, tant pis, on va pêcher, allez, hop. Ça va nous faire de la bouffe, hein, du poiscaille, on va pas s'en plaindre. Parce que... on va en avoir besoin, quand même, hein. Et puis, comme sur moi, on peut faire plusieurs plats, hein, à base de merde et de poisson, au bout d'un moment. Qui sait, on aura peut-être un qui va nous demander ça. Et ça y est, ça fait actuellement 2 semaines qu'on est sur la map. Je me demande quand même à la fin du let's play on en sera où, sachant que là littéralement l'histoire depuis le dernier épisode on le continue pas, hein, littéralement, hein, on le continue pas, on continue pas l'histoire, on fait que des trucs annexes. Mais d'un côté c'est chiant et d'un autre pas du tout, c'est très bizarre. Enfin je sais pas, vous devez, je pense que ceux qui aiment bien faire qui adorent prendre leur temps à milliards de fois sur les jeux vidéo, vous devez me comprendre, mais même si le let's play, j'ai envie qu'il dure grave longtemps, en même temps, j'ai envie de grave prendre mon temps sur ce jeu-là, je sais pas pourquoi. Genre, j'ai envie de le faire rapidement et en même temps, non. Je veux que ce soit vite, quoi. Enfin, non, du coup, pas vite, mais... par contre, ce truc-là, j'avoue que je comprends toujours pas comment faire. Ah, attends, plus Jules, t'es où? Ah. Là, ils sont bons. Jules, viens. Donne-moi ton cadeau. Waouh, vous avez fait ça pour moi, vous êtes véritablement incroyable. Oh. Ouais, on lui a fait manger de la merde. Il est content. C'est horrible, mon Dieu. Je suis vraiment une merde. Comme lui. Allez, dépêchez-vous. Bon, en vrai, je pense que on va quand même faire une petite coupure. Histoire de... bah, histoire que j'essaye de construire la mine, hein, ce serait déjà un bon début. Donc, on se retrouve quand ce sera le moment de construire la mine. Et de toute façon, quand je reprendrai la vidéo, je vous dirai ça m'a pris combien de temps, parce que... je sais pas, j'ai... oh, merde. Oui, bah, en même temps, c'est ma faute, hein. Vous pariez combien qu'il y en a d'autres qui vont crever en même temps? Ah non, vous chiez pas sur les cadavres, bonne de merde. Non mais on s'en branle. Oh putain, ils vont vomir. Oh, quelle horreur. Ce qui m'énerve, c'est qu'ils bouffent... ouais, il va falloir en créer d'autres pierres timbales. Hein. Ta gueule. Ah. Faut vraiment arrêter les plats mortels, hein. C'est horrible. Bref, on se retrouve quand je pourrai construire la mine. Donc à tout de suite. Bah au final je suis un peu déçu, ça a duré quoi 2 minutes. Je m'attendais à plus longtemps. Je suis content et je suis quand même assez déçu. Ah du coup le truc qui est cool c'est qu'on peut en faire plusieurs. Donc au bout d'un moment quand même on sera plutôt pas mal. Hein, parce que des mines et des postes de bûcherons, on va en faire beaucoup. Ça vous pouvez me croire, on va en faire plein. Comme les autres trucs à côté, hein. Bref, allez, c'est parti, on va la construire. Et il y a quelqu'un qui a chié, merde. Voilà. Bon, bah, en attendant, moi, je vais nettoyer la merde. Voilà. Hop, toi, voilà. On va prendre les baies. Quand même, hein. Allez hop. Ah ça y est, accepter le cadeau de Ujul. Faut vraiment que je m'en mette plus de parcelles de trucs là parce que... ah vraiment là...
Ah ouais, d'ailleurs, j'ai trouvé un caca doré et qui m'a fait gagner 25 pièces. C'est très cool. C'est un truc que j'aurais pas cru dans le jeu, mais... Après tout, on a eu des cacas arc-en-ciel, alors des cacas dorés... Attends, Ujul, t'es où, Ujul? Te voilà. Ouah, vous avez fait ça pour moi, vous êtes véritablement incroyable. Oh putain. Et voilà. Bon, par contre, c'était quoi son cadeau? Ah, quête terminée. Allez hop. Ah ouais, donc là je peux en avoir 51 d'un coup. Ah ouais, putain. Qu'est-ce que c'est puissant, mon dieu. Alors, attends, qu'est-ce que je peux construire là à l'heure actuelle ? Des abris basiques. Bah, on va quand même attendre d'avoir beaucoup plus de bois. Hein. Ça serait préférable, on va dire. Manger. Ouais. Ok, est-ce qu'il y a de la merde? Est-ce que quelqu'un a chié quelque part? Tiens, il y a un truc que j'ai envie de voir là. Fois. Ah, je dois avoir encore plus de. Attends, quoi? Ah oui, fausse commune aussi, mais en faut plein. Bah oui, quand même, qu'on le veuille ou non. Et ça, on peut déjà le construire. Mais non, non, non. On va construire, je pense, plus de... Je ne peux pas. Je n'en ai pas assez, fait chier. Est-ce que je peux faire un truc ici? On va regarder, hein, qui sait, après tout. Ah si, oui, voilà, on peut faire un serment. Ah, enfin on gagne du pouvoir. Bénédiction. Réinvoquer une âme ou un maléfice, ouais, bof. Ni grâce à la force vitale d'un ennemi mort au combat. Intéressant celui-là. Surtout qu'on était mort hein, dans la dernière. Débloque 3 nouveaux maléfices à utiliser dans les donjons. Intéressant. Augmente votre quantité maximale de ferveur vous permettant d'utiliser un maléfice supplémentaire. Ouais, bah celui qui m'intéresse le plus c'est ça. Parce que bon, si ça peut me permettre de gagner plus de vie, ouais, on va pas cracher. Hein. Ah, là, il faut gagner un autre cœur ça. Allez, c'est parti. Bah, je pense qu'on va... Ouais, on va aller faire un petit donjon. Plus, avec de la chance, il y a peut-être une nouveauté, là. Ouais, non, j'y crois pas. Ah, il m'en faut 5... Enfin, 7 personnes, et là, 9. Bah, allez, on va au bois sombre, hein. Ouh, les feuilles, oui, on va en avoir besoin de ça. Ah oui, non, là, l'herbe, va falloir en prendre le plus possible si on le peut.
purée, par contre, les os, on en a tel... Wesh, qu'est-ce que c'est? Ah ah, la couronne rouge, et toi, bête divine! Viens, j'ai des outils pour toi, fabriqués par Schmack. Mes frères, ils ont de jolies choses, mais moi, mieux, des choses puissantes. Tu veux regarder? Tu veux prendre? Que donneras-tu en échange? Ta chair, tes os, ta couronne? Ah, les os, par contre, ouais. Hé, je me moque, je plaisante, je ne prendrai rien, rien pour Schmack. Putain. Je m'en plains pas, ça nous fait des... ça nous aide pour le 100% ce genre de truc, alors... tentacule. Ouais, mais en fait, c'est juste... doigt de l'exorciste, invoque un démon pour vous aider au... Ah! Ah, mais en fait, ça sert à rien, c'est juste pour nous faire un rappel de tout ce qu'on a déjà à l'heure actuelle, en fait. Enfin, je crois, hein. Ouais. Ah, si. Faites pleuvoir de la foudre sur les hérétiques. Allez. Les reliques sont des objets puissants imprégnés de la puissance de la foi. Vous pouvez les utiliser pour effectuer des attaques spéciales ou des actions. Ok. Mes jolies petites créations, partie sacrée d'être adorées. Ils ont faim, oui, avec du pouvoir qu'ils avaient avant. Il faut les nourrir, ils ont faim, envie de la chair, des crayons. Leur donner à manger. Ah tiens, on me dit d'aller à deux endroits. Ah non, c'est pour faire... Ah, c'est classe. Ah oui, mieux que ce carte idiote. Mieux qu'une épée pointée, Schmack est mieux. Le petit dieu viendra encore, Schmack donnera une relique, Schmack fabriquera une relique, Schmack fabriquera une relique de toi un jour. Adieu. Quelle personne fortement bizarre. Mais fort agréable. Ah, bah cet endroit-là il sert à rien, mais au moins il est utile car on peut avoir de l'herbe. Et vous savez à quel point ça va être beaucoup trop important là pour ce qu'on prévoit de faire. Pas de la bouffe. Étonnamment. Quoique, c'est vrai que si on peut trouver de la bouffe, on sera pas contre. Ah. Ok, on a gagné de l'argent, c'est cool. Ah bah non, on va faire ça. On aura besoin d'avoir des fidèles encore. Il nous en faut plein. Ah oui. Allez, oh putain, merde. D'accord, donc en fait ça a servi à juste passer là, ok.
Ok, par là. Ah oui, putain de la vie. Allez hop, aussi un peu d'herbe. Ah, c'est quoi ce truc? Nouvelle relique débloquée. Le transmonium transforme un ennemi en aléatoire en bestiole. D'accord, intéressant. J'imagine que c'est une bonne chose de l'avoir, hein, quoi tout. Ah, enfin on peut avoir une meilleure arme. Il était temps, on s'emmerdait là. Allez, on va te sauver, mon copain. Nous avons combattu du mieux que nous pouvons, mais personne d'autre n'a survécu, bois sombre. Autrefois, nous nous sentions en sécurité. Oh, pleure pas, on te ramène chez moi. C'est parti pour le boss. Vous vous attendez pas à ce que je gueule, hein. Ouais. Alors. Merde. Allez, c'est parti. Clairement mieux. Ah, ça y est, on est vers la fin. Barbatos. Ah bah, il est de retour, lui. Mon Dieu, je vais mourir.
Oh putain, oui, on l'a battu. Ouh, j'ai eu peur. De la pierre, du bois, des pépites d'or. Ah, intéressant les pépites d'or, mais clairement le bois là, c'est ce qu'on a le plus besoin. Allez, c'est parti. Retour à la base. Yay. Porte. Oh. Porte couronne, ne me vénères-tu donc pas? Pourquoi n'essayes-tu pas de me faire des offrandes dans l'espoir de m'attirer mes faveurs? Se placer un coffre d'offrandes dans le culte. Afin que tu puisses y déposer des présents dans mon infinie générosité, je les transformerai en or, utilise-le à bon escient. Cependant, tes offrandes doivent être à la hauteur de ma grandeur. Si tu m'offres le même présent plusieurs fois de suite, je te donnerai moins d'or. Fais preuve de patience et je changerai peut-être d'avis. Fais-moi honneur et je serai très récompensé. Ça n'a pas trop de trucs. On va nettoyer toutes les merdes qu'il y a. Ah. Laisse-moi rejoindre notre culte. Allez. Il va chier. Ah non, ok, il médite. Ah si, là il y a de la merde. Oula. Jour 16, ok. Oh oui putain. Oh les camions, j'en ai trop, j'en ai marre. Ah ouais, de l'argent. C'est quoi ce truc? Vendre des os. Pareil, on en a trop. Mais attends, tu sais quoi, on va faire un petit sermon. Quand même. Feu de joie. Allumons un feu ensemble et dansons toute la nuit. Ouais, non. On va faire ça, c'est déjà pas mal. Purée. Bah, c'est bon, hein. Voilà. Ah ouais, mais merde, on perd du bois en faisant ça. Allez, on va leur donner à manger. Pas de plat mortel, par contre ça. Germe. Oh putain, merde. Repos, toi, qu'est-ce que t'as? Guide, l'amour m'est tombé dessus, c'est formidable, mais puis Jules, c'est à peine que j'existe. Pourriez-vous cueillir 10 fleurs dans les boissons pour que je puisse lui offrir? Et merde, en plus j'ai tout vendu, forcément.
Waouh. Bon, bah je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout à vous abonner. Puis au revoir tout le monde.